Nous sommes nous qui avons fait ce pays. Nous sommes candidats, nous tous, villageois, citadins, ouvriers, paysans. Nous sommes candidats dans ma candidature et nous sommes candidats pour gagner. Gbagbo s'est sauvé de la Côte d'Ivoire. Il est allé à Paris pour demander le droit d'asile politique. Donc, parmi nous, il faut que quelqu'un aille en exil pour faire connaître notre combat à l'extérieur et après, on va le reprendre à l'intérieur. Le débat a eu lieu. Un petit bourgeois qui veut fuir, il veut fuir le lieu du combat à Paris. Vous connaissez dans les milieux là, dans les milieux militants et dans les milieux intellectuels, il y a toutes sortes de... Mais là aussi, je savais que c'était là le chemin. Reconnaître qu'il puisse y avoir un réfugié politique ivoirien, c'était reconnaître que le régime de Fouad Boigny n'était pas un régime de liberté. Donc premièrement, j'avais convaincu les camarades qu'il fallait mener le combat pour la démocratie. Deuxièmement, maintenant, je les convainc qu'il faut qu'un d'entre nous aille en exil. Après quelques heures de discussion, ils ont accepté et c'est moi qui ai été naturellement désigné. Je pars donc de la gare de Trècheville en train, en wagon couchette. Je suis accompagné d'un de nos camarades qui s'appelle André Kouassi. Son surnom c'est Lokosué, parce que lui il avait déjà fait un an à Ouagadougou. Donc, je lui ai expliqué la situation, qu'il connaissait parce qu'il écoutait la radio. Il m'a délivré le billet, mais sans mettre mon nom dessus. Parce qu'on avait peur que le siège de l'Afrique étant à Abidjan, que le terminal ordinateur ne montre que j'étais en train de partir. Quand il est parti en exil, l'exil a duré quand même 6 ans et demi. Hein, et je suis restée seule à élever les enfants. Pendant 6 ans et demi, ça n'a pas été facile. Je suis allé dans un hôtel, un petit hôtel dans le 16e, que je connaissais, un tout petit hôtel. Je suis resté là 2 jours. J'ai appelé Ouraga Obou, qui était à l'époque en Paris, en train de rédiger sa thèse. Il est venu me rejoindre et lui et moi, nous sommes allés chez une de mes amies. Jocelyne Rodriguez, qui m'a prêté une chambre. C'est de chez elle que j'ai commencé à faire les démarches pour avoir le statut de réfugié politique. La lettre manuscrite que j'ai écrite, elle est publiée dans un ouvrage que j'ai intitulé « Agir pour les libertés » en 1991. J'ai trouvé ce moment-là très important de ma vie et les choix. Je ne parle pas du choix politique, le choix politique était déjà fait. C'est parce que le choix politique était déjà fait que je suis parti. Je l'ai rencontré pour la première fois le 28 juin 1982, pratiquement 3 mois après son arrivée à Paris en exil. À l'époque, j'animais une petite revue trimestrielle qui s'appelait Libération Afrique et nous avons fait un débat sur la littérature africaine. Il y avait d'ailleurs Mongo Betty, Jean-Marie Adiafi, Paul Dakeyo et une de mes amies qui participait à l'équipe de Libération Afrique est arrivée avec Laurent Gbagbo. Lui-même, outre ses ouvrages, je dirais universitaires d'ailleurs, puisqu'il venait de sortir un livre chez l'Harmattan, avait écrit une pièce de théâtre, Sundiata, et je crois qu'il a eu à cette occasion-là des points de vue assez, je dirais, assez décapant, notamment sur la situation de l'exil et sur la situation de beaucoup d'écrivains qui, effectivement, d'ailleurs, comme Bongo Betty, ont passé l'essentiel de leur vie en France. Me voici engagé dans la demande d'un droit d'asile. J'ai donc écrit cette demande-là en avril 1982. On m'a répondu en juillet. Vous me dites qu'elle m'était refusée. Il y a eu un appel. Vous imaginez bien que, vu les relations entre François Mitterrand et Fouad Boigny, la chose était éminemment délicate. Tous les 3 mois, j'allais à la police et on me délivrait un papier provisoire.
Cela se réveille pour vérifier que je suis physiquement là. Et cela se réveille aussi pour avoir l'œil sur moi. Bon, et donc, ça a duré jusqu'en 1985. Mais là encore, c'est Oufé qui m'a aidé indirectement. Parce qu'en 1983, il a fait un discours qui a été très mal reçu en France. J'ai des milliards à l'étranger, mais pas de la Côte d'Ivoire. Quel est l'homme sérieux dans le monde qui ne place pas une partie de ses biens en Suisse? Dès ce jour, ceux qui avaient mon dossier m'ont appelé pour me dire, Monsieur Babo, vous aurez votre papier d'exilé. Il a obtenu ce statut après beaucoup de luttes, d'explications. Il l'a eu en septembre 1985. Pendant l'été 1982, j'ai quitté le domicile de mon ami Jocelyne. Je suis allé faire un mois chez un autre enseignant. Et puis après, j'ai été reçu à la rue des Écouffes par une dame qui a mis gracieusement à ma disposition un appartement qu'elle avait là, un studio qu'elle avait là, et qu'elle n'occupait pas. C'est dans cette maison, la rue des Écouffes, dans le quartier des Marais, que j'ai rédigé pour une alternative démocratique, pendant l'hiver. L'ouvrage est sorti en septembre 1983. Je suis très heureux qu'il ait eu un très grand écho en Côte d'Ivoire, même s'il était échangé sous les manteaux, comme on dit, mais c'était vraiment notre première grande victoire. Outre cette publication Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique, il a aussi réalisé un dossier assez important dans la revue de Mongo Betty, Peuple Noir, Peuples Africains, à l'époque, en 84. Bon, il a collaboré aussi à l'État du Monde, que publiaient les éditions La Découverte, et il a donc pas mal écrit, puis évidemment, il y avait une activité, je dirais plus, une activité aussi militante, de réunion. Bon, il était connu dans les milieux ivoiriens, et bon, il allait faire aussi des conférences en province, à Paris, quand il pouvait, parce que d'ailleurs, en février 84, il devait faire une conférence sur le pluralisme en Côte d'Ivoire, et cette conférence a été interdite par la préfecture de police de Paris au risque qu'elle pouvait porter atteinte à l'ordre public. Il ne faut pas oublier quand même que le ministre de l'Intérieur à cette époque-là en France, c'était Gaston Defing, qui est un ami de très longue date, le président Foubani. Bon, après, j'ai fait beaucoup de conférences, mais je me suis donné un instrument important de combat. C'est la création du MID, Mouvement Ivoirien pour les Droits Démocratiques. C'est à l'intérieur du MID que j'ai recruté Domino en 1984. C'est ainsi que j'ai recruté Ndri Marius. Et puis, en 1986, c'est peut-être une coïncidence, mais il y a les élections législatives en France. La droite gagne. Le président du RPR, Jacques Chirac, devient Premier ministre. Peu de temps après, Gaston Defer meurt. Et c'est en ce moment-là que je reçois un coup de fil d'un commissaire qui veut qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Alors je me fais accompagner de mon ami Guy Laberti, chez qui j'habitais déjà en ce moment-là. Je l'ai accompagné, c'était au Rosès, qui était un bar-brasserie de la place d'Italie. Et nous avons rencontré deux responsables des renseignements généraux, dont le commissaire Sabatier d'ailleurs, et qui lui ont demandé « Est-ce vrai que vous avez l'intention de rentrer dans votre pays ?» Parce que les autorités ivoiriennes ont précisé au ministre français que vous aviez l'intention de venir et que sont tout à fait disposés à payer un billet retour en première classe UTA. À l'époque, c'était encore UTA. Alors je lui ai dit, moi, mon désir le plus ardent, c'est de vivre dans mon pays.
Mais je travaille à ce qu'il soit instauré un régime démocratique. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, le commissaire d'enseignement généraux a dit bah, « Écoutez, merci de ce que vous nous dites, parce que nous n'aurions pas voulu une deuxième affaire Ben Barka », faisant ainsi allusion à l'enlèvement du leader de l'opposition marocaine, et qui est mort, après avoir été enlevé, et à Paris. Évidemment, le lendemain, je me suis précipité au journal Libération, et je me suis adressé à Pierre Aski, je lui ai raconté tout. Il en a fait un article. Je me souviens très bien qu'il avait fait un très joli jeu de mots en disant « Laurent Gbagbo, l'Ivoirien qui n'a pas la côte » et dans laquelle il racontait cette histoire. Et je crois que là, en écrivant cet article, il a aussi contribué à le protéger. Nous avons publié en 1986 un spécial Côte d'Ivoire dans la revue Peuple Noir, Peuple Africain. J'ai fait un certain nombre d'articles dans quelques journaux, un certain nombre d'interviews aussi. Et puis, nous décidons de montrer aux Ivoiriens ce que nous allons faire si nous sommes au pouvoir. Donc, nous décidons d'écrire un programme de gouvernement. Mais c'est les camarades qui sont ici qui travaillaient dessus. Hein. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, c'est eux qui travaillaient dessus. Moi, on m'envoyait les articles, je coordonnais, je corrigeais, etc. Le premier tome de ce programme, il n'y aura jamais de tome 2. Il sort sur le marché en 1987. Proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. S'il y a une personne à qui le retour au multipartisme aura rapporté le plus, c'est certainement vous, M. Laurent Gbagbo. Cela n'a rien de surprenant quand on regarde votre trajectoire personnelle. Car très tôt, vous aviez manifesté une volonté de rupture parce que certainement, vous avez une autre vision du devenir de notre pays. J'ai expliqué à travers le monde que le parti unique se ressemble partout. Que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit dans l'Asie du Sud-Est, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, le parti unique finit inéluctablement par sécréter une dictature. Et non seulement une dictature, mais une dictature d'un individu. Par conséquent, j'ai attiré l'attention de façon permanente sur l'attention de mes interlocuteurs, sur le fait que les statistiques économiques de 60 à 80 ne devraient pas faire occulter les problèmes des libertés publiques et individuelles. Ça, c'est la première des choses qui était d'ordre, qui était de l'explication. Écoutez, je suis arrivé à Paris en 82. Je pouvais tout tranquillement demander une carte de séjour ou bien demander même une carte nationale d'identité, une carte française, une nationalité française. Parce que je peux avoir une nationalité française. Et puis, j'ai choisi de demander le droit d'asile politique. Parce que le droit d'asile politique était un combat et un combat politique. Celui qui m'accordait le droit d'asile politique, que reconnaissait en même temps que le pays dans lequel je vis est un pays dictatorial. J'ai tissé des relations entre mon propre parti et le Parti socialiste français. Mais à travers lui, avec tous les autres partis socialistes d'Europe. Donc nous ne sommes plus des inconnus. J'ai coordonné la publication de l'ouvrage collectif Proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. On avait indiqué la voie, maintenant nous indiquons concrètement ce que nous allons faire dans chaque secteur d'activité. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Il ne reste plus qu'à revenir en Côte d'Ivoire pour faire la révolution. Finalement, nous avons décidé que je rentre. Dès que j'ai mis les pieds en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte qu'il y avait une très grande méprise entre Oufou Boigny et moi-même. Ils pensaient que j'étais rentré parce que j'étais fatigué de lutter. Et que donc, naturellement, je rentrais pour être à ses côtés. Or, moi, je rentrais parce que j'avais exécuté la première partie du travail que je devais exécuter en Europe. Donc il fallait que je vienne
pour que nous continuions. Or, précisément, le parti était en train de préparer le congrès constitutif du Front populaire ivoirien. Donc, je rentrais pour tout cela. Alors, il y avait une grande méprise. Il me fallait être sur une ligne difficile à tenir, parce que ce n'était pas bon que je rompe. Ce n'était pas bon que ce soit moi qui rompe avec vous. Il fallait laisser ce soin-là lui-même. Donc, bon, c'est cette ligne-là que j'ai dû tenir. Certaines situations sont de nature à propulser une lutte, à lui faire franchir une étape décisive. Il a suffi que Laurent Gbagbo prononce un mot, un seul mot, pour que le pays tout entier s'enflamme et que sa bataille bascule du bon côté.